Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et dans cette vidéo, je poursuis le projet euh, de, du gilet de fille, de petite fille de la compagnie Fildar. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment lire le graphique de la portion euh, de jacquard qu'on a ici sur le gilet. Parce que c'est pas compliqué, mais il faut savoir lire le graphique avant même de savoir le Jacquard. Hein? C'est bien sûr qu'un ne va pas sans l'autre. Alors, euh, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, alors euh, pour aller vous abonner, c'est très facile. Vous allez aller simplement sous la vidéo, cliquer sur le petit onglet qui représente ma chaîne. Ensuite, vous allez être dirigé directement sur ma chaîne et lorsque vous serez sur la chaîne, vous avez qu'à vous abonner et si vous voulez retrouver toutes les, les vidéos qui sont sur le sujet du gilet petite fille sur ce joli patron de fil d'art, vous allez dans l'onglet des listes de lecture et vous pourrez avoir toutes les informations, tous les vidéos vont être assemblées à la même endroit. Alors, euh, nous, ce qui nous concerne, c'est bien sûr le graphique. Alors, ici, sur cette page du patron, vous avez votre graphique. Je vais m'approcher beaucoup plus près pour que vous voyez mieux. OK. Premièrement, lorsque vous avez une grille ou un diagramme, il faut repérer la légende. Alors, juste ici, j'ai la légende de tout ce qui est inscrit sur ma grille. Alors, de cette façon, je vais savoir comment placer mes couleurs parce que c'est tout indiqué selon des petits euh, diagrammes. Euh, pas des diagrammes, mais des, des, petits, euh, des, petits, des petits dessins. OK? Maintenant, chaque couleur a son petit dessin. Maintenant, ensuite, je regarde euh, ce qu'on me présente comme diagramme. Ici, j'ai la totalité du dos, mais de la grande grandeur, parce que j'ai des grandeurs ici. A, B, C, D, E. Même chose de l'autre côté. Alors, c'est la totalité du dos de la grande grandeur. C'est bien sûr que moi, qui va faire la petite, euh, pas la petite, mais la 4 ans. Je peux pas débuter ici. Là. Alors, dans mon patron, pour ma grandeur à moi, on m'indique de suivre les lettres B. D'accord Alors, pour que ça soit plus facile, j'ai mis en jaune la portion de B à B. Ensuite, je dois aller placer mes escaliers pour mes diminutions. Alors, je vais voir les diminutions qui me disaient une, rabatte une fois trois, euh, deux fois deux, puis ensuite, euh, en tout cas, quand on sera rendu là, on verra. Alors, moi, j'ai déjà tout placé ça comme il faut ici. Ici, vous le voyez mieux. Là. Regardez, une fois trois, deux fois deux et deux fois un. Alors, j'ai déjà placé mon escalier. Je ne l'ai pas fait à droite, puis je l'ai fait à gauche. Et de cette façon, je sais que moi, ma portion est à l'intérieur d'ici à ici. Alors dans votre patron, ça va toujours être indiqué où commencer ou terminer. Et ce patron-ci, euh, comme c'est un nombre de mailles impaires, 77 mailles, c'est bien sûr que j'ai une maille centrale. Alors, elle aussi, elle est importante. Je dois l'identifier, ma maille centrale. Parce que tous mes dessins doivent coordonner avec cette maille centrale-là. OK On ne peut pas avoir un dessin désajusté. C'est très laid. Là, quand on, on regarde un jacquard qui est tout désajusté, là, ça se voit tout de suite. Tu sais? C'est que la personne ne savait pas comment s'aligner au centre de, de la pièce. Alors, euh, ça c'est important, ça c'est important. Qu'est-ce qui est important, Qu est important aussi euh, Ok, où on doit attraper la maille. Ok, premier rang ici. Ah, oh, ça aussi c'est très important. Attendez un peu, la façon de chiffrer les rangs. Sur le diagramme de ce patron, je n'ai pas de chiffre ni à droite ni à gauche, mais je sais que je travaille en aller-retour. Alors, c'est simple. Mon diagramme est en aller-retour. On, on fait du jacquard. Alors, on sait que c'est en jersey. Là, du jacquard, c'est tout le temps en jersey. C'est à moins qu'on vous indiquerait de faire telle et telle main en en maille verre, c'est toujours, toujours en jersey. Okay? Ou ça va devenir une mosaïque, sinon, un, une technique de mosaïque. Alors, vu qu'on sait que c'est en aller-retour, on va toujours démarrer les impairs, les rangs impairs de ce côté-ci, 1, et les rangs impairs du côté gauche, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et, si j'avais eu un, un tricot en rond, hein, circulaire, tous les chiffres auraient été positionnés ici. Il y a aussi des fois qu'on ne vous mettra pas les, euh, dans le diagramme les tours pairs. OK, on va mettre seulement 1, 3, 5 ici. Et il n'y aura jamais la ligne pour les tours pairs qui sont l'envers du travail, mais dans votre patron on va vous indiquer tous les tours ou les rangs pairs sont faits de cette façon. Normalement c'est toujours tout à l'envers et on voit ça beaucoup plus dans la broderie que autre chose. Euh, pour la broderie, je dis la broderie plutôt le, les points ajourés, les points dentelle, hein? ok? Parce que j'avais un point en tête là, qui s'appelle la broderie, là, mais c'est la dentelle, la dentelle au tricot. Alors, nous, on sait que le 1 commence là, le 2 commence là. Et quand je vais faire mes pas, je vais travailler à l'envers parce que du jacquard, ça se fait en jersey en droit. Maintenant, pour toutes les, les personnes qui ne sont pas capables de. Euh, améliorer leur tension en travaillant, euh, pas améliorer, c'est pas le bon mot, de, de jouer avec leur tension, d'être capable de faire plus serré, moins serré, plus détendu, plus lousse, ok? Pour ces personnes-là, euh, on va toujours vous suggérer de grossir votre aiguille d'un demi-point lorsque vous allez faire du jacquard. Et si vous êtes obligé de grossir d'un point complet, ce n'est pas normal. Là, vous n'avez pas la bonne technique. C'est sûr, sûr, sûr que vous n'avez pas une bonne technique. Et pour savoir si on fait du jacquard comme il faut, mais c'est facile. Il ne faut jamais que nos fils ne s'en mêlent de l'autre côté. Si vos fils s'en mêlent, c'est certain que vous n'avez pas la bonne technique. Sauf si vous faites du jacquard. Interzia. Si vous faites du jacquard euh, tissé, qu'on appelle tissé derrière ou flotté, parce que vos fils sont visibles derrière, à ce moment-là, vous. Euh, J'ai perdu le fil de mon idée, là. Euh, ça ne devait pas être important. <laughs> ça reviendra tantôt. Alors, c'est vraiment important d'avoir la bonne technique. Toujours. OK, je parlais des fils. OK, ça me revient. Je parlais des fils qui s'en mêlaient ou qui s'en mêlaient pas. Alors, exactement, si vous faites la technique des fils flottés ou tissés derrière, si vos fils s'en mêlent, c'est que vous n'avez pas du tout la bonne technique. OK. En partant, là, vous allez devoir corriger votre technique. Elle n'est pas correcte. Vous ne travaillez pas de la bonne façon. Malheureusement, le jacquard euh, est montré de plein de façons différentes, mais pas toujours de la bonne façon. Alors maintenant, euh, nous, on a commencé à comprendre tout ce qui est graphique et il faut savoir une autre chose, lorsqu'on travaille du jacquard, il y a une logique, une loi non écrite qui dit qu'il ne faut pas attraper plus loin que cinq mailles. OK, donc si j'ai euh, euh, 8 mailles consécutives euh, de garder comme euh, ici, là. Ici, je me trouve à avoir 2, 4, 6, 8. J'ai 9 mailles. OK, sur ce rang-là, ici, là, sur ce rang j'ai 9 mailles de la même couleur. Alors, il va falloir attraper au centre pour ne pas avoir un fil qui flotte derrière de 9 mailles. Ça se peut pas, là. Ça fait partie de la loi du Jacquard. Jamais plus que 4 mailles, on attrape à la cinquième. Et ça peut même diminuer à 3 lorsqu'on a une plus grosse laine. Alors, c'est 4, j'attrape à la cinquième, j'en ai 4 suivantes de l'os, Ce qui me donne mes 9 mailles. OK? Lorsqu'on va le travailler, vous allez comprendre, mais sachez qu'il y a une loi qui existe. Euh, maintenant, l'autre chose, on va y aller tout de suite aussi avec euh, le, la façon de placer la laine. Euh, la plupart des jacquards vont toujours être à deux couleurs sur le même rang, ce qui est le plus facile. Mais comme celui-ci, dès le départ, vous allez avoir trois couleurs dans le même rang. Alors, il va y avoir une façon de disposer vos laines pour travailler pour pas que vos fils s'en mêlent. Ça, ça va être une autre façon que peut-être vous ne savez pas ou vous ne saviez pas qu'il qu existe une technique de travail pour faire du jacquard. Et la plupart du temps, comme j'ai dit, vous allez avoir que deux couleurs. Alors, c'est encore un petit peu plus facile de compréhension, mais le trois couleurs est facile de compréhension aussi. Il s'agit juste de connaître le truc. Alors, lorsqu'on va débuter le jacquard, la technique du jacquard, en, en faisant vraiment, véritablement notre jacquard, je vais vous apprendre comment faire les trois couleurs et les deux couleurs sans mêler vos fils. Euh, grosso modo, c'est pas mal ça ici. Donc, euh, comme je vous ai dit, euh, il y a plusieurs grandeurs A, B, C, D, E. Et plus le diagramme, on va vers les extrémités, plus on va chercher les grandes grandeurs. C'est aussi simple que ça. La hauteur, normalement, c'est toujours le diagramme complet, à moins qu'il y ait une répétition, puis on vous dirait de répéter ou quatre fois là, sur la hauteur. Mais grosso modo, c'est pas mal ça. Puis après, ben, il s'agit juste de comprendre la logique de comment attraper, tisser les fils derrière euh, pour les faire flotter, là, pour pas qu'ils soient trop, euh, trop lousses. C'est simplement ça. Alors, euh, on va se revoit dans une prochaine vidéo pour débuter notre jacquard.